Fenris, vous échappez à l'inquisitrice depuis trop longtemps. Adriana a enfin décidé de me chercher dans la cité, alors. Rendez-vous. C'est mon dernier avertissement. Ne soyez pas stupide. Nous vous tuerons tous, jusqu'au dernier. Mauvaise réponse. Attaque. Toujours là quand vous avez besoin. C'est votre faute. Je vous ai dit qu'il fallait s'occuper d'Adriana, et voilà qu'elle nous attaque de nouveau. Calmez-vous, Fenris. Que suis-je censé faire? Vous dire merci? Et si les chasseurs s'attaquent ensuite au manoir? Je n'attendrai pas de voir si vous serez là la prochaine fois. J'y vais maintenant, avec ou sans vous. Allons-y alors. Il était temps. Dès que nous partirons, je nous guiderai là-bas. Attention, vous mettez les pieds. Je dois me rapprocher. Suicidaire pour nous chercher des noirs. C'est là, pathétique. Un peu de dignité, rendez-les.
C'est trop loin. Vous la trouvez hors de portée. Je dois me rapprocher. La cible est hors de portée. C'est trop loin. Je dois me rapprocher. Nous devons être prudents. Il y avait de nombreux bâtiments comme ceux-là à l'époque, surtout dans les montagnes. Les esclavagistes les utilisaient comme prisons personnelles. Elles étaient conçues pour se protéger des raids organisés par les autres esclavagistes. C'est sûrement pour ça qu'Adriana a choisi cet endroit. Adriana ne nous échappera pas. Espérons que ce n'est pas une perte de temps. Ils sont encore là. Bien. Voyez par vous-même l'héritage des Inquisiteurs. Ils sacrifient des esclaves loin d'être volontaires? Est-ce si dur à croire? Vous n'êtes pas si différente d'eux. Ce n'est pas vrai. Pensez ce que vous voulez. D'expérience, je sais que les mages ont plus de moyens de justifier leur foi. De la garde ne vaut pas grand-chose ici.
Tu es blessé? Ils t'ont fait du mal? Ils ont tué tout le monde! Ils ont blessé papa! Il saignait! Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Pauvres gens, c'est atroce. L'inquisitrice, elle a dit qu'elle avait besoin de pouvoir, que quelqu'un venait pour la tuer. Nous avons été gentils. Nous avons fait tout ce qu'on nous demandait. Elle adorait la soupe de papa, je comprends pas. L'inquisitrice est encore là? Je crois. L'inquisitrice a dit qu'il devait se préparer pour la bataille. Je crois qu'elle a très peur. Elle a bien raison. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Elle sera très en colère si vous lui faites du mal. Tu n'es qu'une esclave pour eux. Un bien à utiliser. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui. Non, mais tu ne pouvais pas le savoir. Je suis votre esclave maintenant? Non. Mais je sais cuisiner, je sais faire le ménage. Que vais-je devenir? Ça vous aidera peut-être à commencer une nouvelle vie. Pour moi? Merci. Je chérirai ça pour toujours. Elle se fera sûrement voler avant que la nuit ne tombe. Trouvons Adriana et quittons cet endroit. Je vous ai déjà dit que je ne plaisais pas vraiment ici. Vous avez fait une perte. Vous l'avez très bien vu.
arrêtez! Vous ne voulez pas ma mort! Il n'y a qu'une seule personne dont je souhaite plus la mort. J'ai des informations, Elf, et je vous les donnerai en échange de ma vie. L'emplacement de Danarius. Quel bien cela peut-il me faire? Je préférerais qu'il perde son nouveau jouet. Vous avez une sœur. Elle est en vie. Vous aimeriez récupérer votre vie? Laissez-moi partir et je vous dirai où elle est. Comment peut-on être sûr que vous dites vrai? Vous ne pouvez pas! Mais je connais Fenris et je sais ce qu'il cherche. Si je dois trahir Danarius, il faudra qu'il me paye. C'est à vous de décider. Alors, j'ai votre parole. Si je vous le dis, vous me laisserez partir. Vous avez ma parole. Son nom est Varania. Elle est à Carinus, au service d'un inquisiteur du nom d'Ahriman. C'est une domestique, pas une esclave. Ce n'est pas une esclave. Je vous crois. Nous n'avons plus rien à faire ici. Vous aviez dit qu'elle aurait la vie sauve. C'est ce que valait son foutu marché. Ça pourrait être un piège. Danarius a peut-être envoyé Adriana ici pour me parler de cette sœur. Même si ce n'est pas le cas, la chercher serait suicidaire. Danarius est sûrement au courant de son existence et du fait qu'Adriana sait. J'ai enfin anéanti cette garce. C'est tout ce qui compte. Qu'ils pourrissent tous, elle et les autres mages. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher votre sœur. Et qui va partir à sa recherche? Vous? Même si je trouvais ma sœur, qui sait ce que les inquisiteurs ont fait d'elle? Y a-t-il une chose que la magie a touchée et n'a pas corrompue? Je dois partir. Les brigands sortent de leur trou la nuit. Une bonne purge, voilà ce qu'il leur faut. Je n'envoie pas mes gardes lutter contre les criminels dans les ruelles sombres. Mais si vous voulez donner de votre personne... Rien à signaler pour l'instant. Il a aucun problème de ses sens.
Je ne pense pas que les gardes qui sont entrés sur la propriété... ...aient-tu droit au même accueil. Chemin, Hawk. Je suis à vos côtés. Pourquoi Gaspard enquêterait-il sur des mages échappés d'Osterberg? Je me souviens de ça. Gaspard a fait tout un plat de la descente des gardes. Ses vêtements appartenaient peut-être à une proche. Ah ! À l'aide ! Je vous en supplie ! Il est devenu fou ! Vous n'êtes pas lui ! Et merde, je sais qu'on ne dirait pas comme ça, mais je ne lui ai pas fait de mal. Laissez-la partir. Ensuite, nous parlerons. Si je la laisse partir, vous allez me tuer. J'ignore ce que vous faites ici, mais dehors, il y a un assassin. Et m'est d'avis qu'il se joue de nous deux. Laissez-moi juste vous expliquer. Très bien. Voyons si vous pouvez vous expliquer. Il y a plusieurs années de cela, ma sœur a été assassinée. Ce bâtard de tueur est maintenant à Kirkwall, et il a recommencé ses macabres méfaits. Il procède de la même manière que pour ma sœur. Tout commence avec un bouquet de lys blanc. Il en envoie un à chacune de ses victimes. Alessa devait être la suivante. Je l'ai emmenée pour qu'il soit contraint de venir jusqu'à moi. J'allais enfin pouvoir affronter l'assassin de ma sœur. Et c'est à ce moment-là que vous avez surgi. Il ment ! Il m'a blessé ! J'ai tout expliqué ! J'ai besoin de votre sang pour retrouver votre trace s'il venait à vous enlever. Je l'ai fait pour votre bien. Laissez-moi partir ! Elle va foncer voir la garde civile. Ils vont tout foutre en l'air. Je peux vous aider à localiser l'assassin de votre sœur. Non, je peux me débrouiller seul.
Je vais à Sombre Rue. Si vous apprenez quoi que ce soit sur le meurtrier, venez me voir là-bas. J'ai un compte à régler avec lui. C'est vous, Hawk ? Emmerich est parti il y a peu. Il a dit que vous aviez rendez-vous ce soir. Vous devez faire erreur. Non, je ne fais pas erreur. Vous lui avez envoyé un message il y a une demi-heure. Regardez. Ce n'est pas moi qui ai envoyé ça. Vraiment ? C'est étrange. Eh bien, je ne sais pas. Emmerich agit de façon bizarre depuis des mois. C'est sûrement un malentendu. Veuillez ne pas déranger les nouvelles recrues.